Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons se retrouver pour une vidéo Euro Truck. Je vais couper le moteur. Aujourd'hui, on est pour une série En route dans le monde. Alors aujourd'hui, on est à Limoges. On part en direction, alors Champmity, en direction de Clermont-Ferrand. J'ai 210 km à faire. Donc on va aller dans notre camion. On va allumer le moteur du coup. Et on va y aller. C'est parti. Désolé si ça lag. Aujourd'hui, je transporte, je vais vous dire, 13 tonnes de copeaux de bois. Alors, vous avez vu le camion, peut-être en photo, etc. Voilà. Alors, j'ai mon siège. Si vous entendez des bruits extérieurs, c'est normal. Hein. Je peux toujours au même jour, il fait chaud. Donc, voilà. Vous avez vu le camion. Donc, le camion a changé. Donc, c'est le même. Hein. Alors, je vais vous dire combien il y a de kilomètres. Désolé, des petits coups de lag. Il a 133 000 kilomètres. Et oui, c'est que j'en fais. Et donc, voilà. Mais ça, on ignore. Voilà. Voilà, désolé, hein, je fais tout aujourd'hui. Alors, des copeaux de bois, direction. Bon, direction peut-être vers une usine, j'en sais rien, mais on va clairement. Donc, voilà. Alors, vous avez vu, hein, là, ça c'est les DLC que. Zipper, alors si tu regardes ma vidéo, merci pour ces DLC encore une fois. Donc, cabine accessoire. Qu'est-ce qui m'a fait d'autre spécial transport. Schwartmüller. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Schwartmüller. Je crois pas qu'il y avait Raven. Je sais plus, il y en avait 5. Voilà. Donc je te remercie. Désolé des petits coups de lag. Donc voilà. Et moi j'ai rajouté le DSC Scania, Tuning Scania et puis DAF. Et du coup, voilà, du coup, vous voyez, le camion a changé de gueule. Il était rouge au début. Maintenant, il est noir. Il a changé de gueule. Hein, de toute façon, avec la petite photo. Dites-moi s'il est plus joli comme ça ou il était mieux avant. Bon, c'est quand même mon camion, mais il restera comme ça. Donc, il faut voir, il y a des éléments aléatoires. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu gaffe. Voilà, on arrive au rond-point. Bon, c'est plutôt, on va se mettre ce. Alors, désolé des petits coups de lag. J'espère que ça va aller mieux, mais voilà. Et j'ai envie de vous proposer un petit vlog. Donc, dites-moi dans les commentaires un petit vlog sur En route dans le monde. Hein, un petit vlog. Ça sera plutôt pour une semaine. Alors, une semaine de TS. Hein, voilà, mais ça sera en mode solo, donc en accéléré. Donc voilà. Donc je me dépêche à livrer cette cargaison, comme ça, ça sera fini, et c'est fini. Et voilà, ce sera une petite vidéo courte, mais au moins, mieux elle est courte, mieux elle est bonne. Non, ça c'est l'inverse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je livre des copeaux de bois.
Donc on a... Oula, désolé, des petits coups de lag. On a 165 km. C'est une vidéo très très courte, hein. Donc c'est pour ça que voilà, je vais faire au plus vite. Je vais faire une vidéo TS pour vous. Non, j'évite de ralentir comme ça. Bon. Des petits coups de lag. Voilà le camion comme il est. Voilà. Il est tout beau, tout propre. Vous n'avez pas vu le streamline, vous n'avez pas vu le DAF. Alors, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Alors, désolé si vous m'entendez pas, mais. Bien passé au vert. Bon. Alors, il n'a pas voulu passer. Je passe au rouge, je suis désolé, mais voilà. Hein. Mais on n'a pas que ça à faire si tu veux pas passer au. Voilà. Donc là on passe sur les petites routes, on est à le ou là ou le trace, voilà, donc sur des petites routes bien sympas, et au moins ça changera un petit peu. Alors j'ai déjà pris une photo, donc voilà, j'ai fait déjà mon temps. Peut-être si je trouve un endroit, on se calera. On verra bien. Les éléments aléatoires. Désolé si je lag un peu, c'est la nuit aussi, hein, donc ça arrive. Et puis je filme en même temps, donc c'est pas très bon pour mon petit PC. Mais bon, il tient son coup. Alors, j'essaie de bien conduire, hein, vous inquiétez pas. Donc dites-moi si vous l'aimez bien, hein, ce camion comme ça. Vous aimez mieux la simplicité. Moi, il va rester comme ça, mais voilà, je vous le demande. Hein, si plus tard je refais un autre camion, ben. Peut-être simple. C'est vrai que là, il donne plus la gueule d'un bon rouleur. On va aller vite livrer, hein. C'est une petite vidéo, mais très très courte, hein.
Ah oui. Ah, les petites routes sympas. Alors, les copeaux de bois livrés. On arrive à une intersection. Voilà, donc il a bien changé au niveau roue, au niveau des jantes. Désolé, des jambes de roue, etc. Ouais, 218 mais sur n'importe quoi, ce machin. Allez, 90 maintenant. Voilà, avec les Michelin qui clignotent. Qui clignotent, je vais arriver. Ah, il en reste 66, hein, voilà. Donc c'est une petite vidéo très très courte, hein, mais voilà. Mais dites-moi si vous aimez le camion, et puis le truck vlog game, donc ça sera dans le, dans, en gros dans le monde, hein, vous ne quittez pas. Il y aura une toutes les 1 mois, on va dire. Ouais, donc ça fait 4 épisodes à peu près, voilà. Bon, le problème, ça va être long à tourner, c'est comme le bonus 2. Ah bah allez, je me suis fait kick encore. Bon, c'est pas grave, je vais livrer ma cargaison, je me suis fait kick encore une fois. Voilà. J'ai ma cargaison, ça arrête là. Hein, ben, je me suis fait kick. C'est les aléas du multi. Hein, on comprend jamais rien. Allez, clairement à droite. Voilà, Limoges, direction Clermont. Donc ceux qui sont de Limoges, dédicace à vous. Et ceux qui sont de Clermont, dédicace à vous aussi. Hein. On ne fait pas de jaloux. Alors moi le GPS il veut que j'emprunte le rond-point, mais il y a un raccourci qui évite de prendre le rond-point. Et voilà. Donc ça sera plutôt sur la promode, hein, le truc vlog truck, un truc comme ça. Donc, ce sera une petite vidéo, vous voyez là on est déjà arrivé à Clermont. Ouais, et ça fait une quinzaine de minutes. J'en suis désolé, mais la prochaine fois ce sera un petit peu plus long, puis voilà.
J'essaierai de préparer, alors le temps que la vidéo truc vlog. Arrive, désolé les coups de lag. Vous aurez encore en roule dans le monde le temps que je finisse le montage, etc. Parce que c'est long, le bonus 2 c'était long 6. C'est pour ça que des fois vous n'en avez pas eu, des fois je crois que vous avez juste eu. Vous avez juste eu. Un seul il y a une seule fois que vous n'avez pas eu de vidéo pour ça, mais là voilà, je vais essayer de me rattraper, me remettre dans le pain, et puis voilà. Là on arrive sur notre livraison, une livraison qui est à Trado. Je vais pas regarder hein, les gens. Tu vas me mettre. Bon, je t'ai dit un truc, tu vois, tu m'écoutes, ça fait. On va aller là-bas. Détail notre truc. Allez. Donc voilà. Voilà. Et je vous montre un petit peu mieux le camion. Donc voilà, alors. Donc voilà, alors. Je vous le montre. Voilà, donc voilà. Il y a juste les barbus qui ont resté. J'ai juste mis. J'ai changé deux petits carrés de feu par les Michelin. Là, vous voyez qu'il y a sur le côté, vous avez des lumières. Et là, bah, les lumières. Qui est clair, donc c'est qui sont mieux, mais là cette fois c'est des blanches. Là vous avez sur le Scania trois lampes clignotantes pour le convoi exceptionnel. Pareil de ce côté, c'est la même chose que l'autre côté. Tout est noir, la grille et tout noir. Là donc vous avez la petite grille. J'ai changé le pare-buff, il est en chrome, du coup j'ai pris un plus simple. Et nous avons le gyro spécial transport. Voilà, nous avons. Donc voilà, il y avait plein de choses qui a changé. Bon, il y avait le Scania d'écrit qui était en noir, mais j'ai pas trop aimé. Alors j'ai laissé comme ça. Les poignées là qui ont changé un peu. Là c'était pour un point 31. Donc la point 31, on a eu là le V8 sur le camion. Voilà. Donc là j'ai donc voilà, il y a eu donc il y a ça. Il y a ça dans le griffon. Le pot d'échappement V8, mais j'ai quand même laissé les pots d'échappement sur le côté. Ça reste, le V8 respire un petit peu mieux. Là, vous avez le barbuff, pas le barbuff, le. J'ai pris. J'ai changé l'arrière du Scania avec la bavette Scania. Ça, alors, ah voilà, il avait les DLC Michelin et les DLC roues
un truc comme ça aussi. Donc j'ai des Michelin, donc je fais mieux de kilomètres avec, ça va, voilà. Et j'ai des boulons, alors je peux pas, voilà, j'ai des boulons pointus, mais voilà, il est tout propre, tout beau, voilà. Donc Crown Goodrunner et l'autant bleu en bas, c'était un item que j'ai laissé sur le camion. Schwartmüller, c'est des accessoires, donc vous voyez, il y a le Schwartmüller, vous avez la tête de mort, vous avez même le truc, ça c'est, ça vient avec le tuning Scania, un truc comme ça. Vous avez la petite glacière, vous avez le portable, ouais, l'ordi portable, vous avez la tasse V8. J'ai laissé le petit V8, sinon il y avait les logos, mais bon, les logos n'allaient pas. Et je préfère le V8 éclairé. Donc ça c'est de base hein, sur le camion. Le petit V8 sur le côté c'est de base aussi sur le camion. Donc la petite plateforme avec le portefeuille Scania, le vieux Scania Aero Streamline. Et le petit qui est avec l'item. Ça c'est avec l'item des 5 items d'événements de course. Le petit bonhomme. Et c'est tout. J'ai les plaques. Donc les plaques sont restées. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais voilà. Donc voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif ou négatif. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, pour un live, n'importe quoi. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas aussi à, j'ai oublié, de suivre tout ce qui est dans la description. Hein, Twitter, Facebook, etc. Si vous avez envie de faire un don, vous pouvez, c'est tout dans la description. C'est tout, tout, tout. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme je dis, likez, partagez, hein, et mettez un commentaire. Et nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis, ciao!